Et je marche. Et oui, je marche pour vous emmener à Walligator. Et oui, comme j'habite juste à côté, je viens à pied. It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Got a feeling that something ain't right. Moving shadows, hear the sound of 2 feet. See my car, where my keys, kinda getting spooky. Oh God, now it's coming from behind. My cell is gone dead as I slowly turn around and oh, on peut remarquer quand même que la dernière fois que j'étais venu, donc c'était à l'ouverture de la saison 2023, le portail, enfin l'entrée, le début du Main Street de Walligator n'était pas encore fini. Là il est fini, c'est vrai que c'est joli. Suddenly my brain's letting go and I laugh out loud as my elbows crash into an eyebrow. Thinking what the hell, I'm gonna make it somehow. Run into a closed liquor store, break the window. Grab a bottle of gin, take a swig, oh no. Stepping on a slimy lump and no. En tout cas, là, l'entrée là, vraiment très 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 jolie. Là, Walligator, pas mal. Hein. Enfin, c'est la première fois que je vais pour Halloween, mais franchement, c'est super joli. Hein. On voit qu'ils ont quand même mis un peu de budget pour la déco et c'est sympa. C'est ce que vous disiez à Disney, c'est joli, c'est sympa. C'est voilà, c'est Disney. Mais franchement, dans les parcs, que ce soit Walligator, Nigloland, je l'ai jamais fait aussi. Hein, je le ferai peut-être un jour. Mais en tout cas, Halloween, c'est vraiment bien, bien retranscrit. C'est l'Halloween qu'on veut. Halloween, on va dire, pour les gens un peu plus adultes.
on a la possibilité aussi de faire un bel labyrinthe, voilà, fait de paille. Bon, allez, on teste, on va voir combien de temps on va mettre pour sortir de ce dédale. C'est bon, ça va, j'en suis ressorti vivant. Alors oui, il y a une petite surprise à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Bon, c'est pour les tout petits, et ça, c'est plutôt bien. Donc là on est au niveau du Grizzly Fall qui est juste là. Alors l'année dernière je vous avais montré dans la dernière vidéo que j'avais fait, donc c'était début de saison 2023, ils étaient en train de le refaire, de le réhabiliter, et au final bon, tout ce qu'ils ont fait c'est de changer la couleur des toboggans. Avant ils étaient bleus et jaunes il me semble, changer les toboggans, mettant une couleur un peu plus forestière on va dire. Alors comme vous avez pu le voir juste derrière moi là, ici, on va avoir Terreur à l'asile, donc avec tous des acteurs qui, bah, quand vous l'entendez, ça crie, qui vont vous faire peur.
cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, putain, cette allée, je la trouve mais super jolie. Avec les grands monstres là derrière, franchement, je trouve ça mais vraiment super joli. Enfin, en tout cas, l'allée là, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Alors moi, honnêtement, j'adore parce que on est vraiment dans le thème Halloween et moi, j'aime bien ce côté avec, il y a beaucoup de paille, hein, mais j'adore ça. Ça me fait penser un peu au film Jason. Alors, je sais pas si vous avez regardé, c'est un film d'horreur et c'est, on va dire, la campagne texane. Et voilà, c'est dans les granges, des trucs comme ça un peu glauques. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça et vraiment, j'adore. On peut pas dire que Walligator, là, ils ont pas mis le paquet. Alors, on peut toujours mieux faire, c'est sûr, mais en tout cas, il y a de la déco, il y en a. Et je trouve, et je le redis encore, je trouve vraiment que Halloween lui va vraiment, mais comme un gant à Walligator, honnêtement. Si vous pouvez venir faire un tour, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment mais super joli. Ouais, franchement, pour les enfants, les petits, ou passer une après-midi, c'est vraiment top. Alors, à savoir qu'il y a quand même deux nocturnes. Il y a une nocturne qui sera donc le 21 octobre. Alors là, ça sera ouvert jusqu'à 20h30. Et la deuxième nocturne et la dernière, ça sera bien sûr le 31 pour l'apothéose. Et donc là, ça sera le 31 jusqu'à 22h, ça sera ouvert. Voilà. Cette petite après-midi à Walligator Grand Est pour Halloween. Alors n'hésitez pas à liker parce que c'est mon salaire, je vous le dis à chaque fois. À laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir de voir ce que vous en pensez. Et puis abonnez-vous. Et comme d'habitude, à bientôt pour de nouvelles vidéos.